C'est une terre de tradition qui n'oublie pas ses anciens et ses malades. Le premier jour de la nouvelle année, Reykjavik, comme toutes les îles australes, se prend le temps d'une exhortation à la fraternité et au respect des plus affaiblis. Ce que l'on appelle les Matahiapo et les personnes atteintes de pathologies lourdes. Au sein de l'église protestante Mahoy, le deux villages se partagent les tâches principales. Anatan et Vayogo formaient une seule paroisse. Et puis, quand la Noël, c'est à Vayogo, Anatan se déplace pour rencontrer les malades, les personnes âgées, sinon les couples, donc ils ne sont pas encore mariés, et puis les jeunes aussi qui veulent faire des études publiques. Et puis, fatalement, ce rendez-vous de la solidarité prend quelques couleurs sucrées-salées, voire même parfumées à l'excès. Je suis en train de préparer le fofarm. T'as le pois et où ? Le pois. Le fafagou, c'est le camembert alors, tahitien. Alors. Voilà. Donc, ils mangent. Tout ce qui est sur la table, le restant, ils peuvent tout ramasser. Donc, déjà, c'est déjà préparé de côté. On peut dire que ce sont les mains spéciales un peu. Aucune crise de froid n'est à déplorer à ce jour. En revanche, le Tahiti de Reykjavik subit de plein fouet la récession générale, ce qui explique la simplicité de l'accueil où l'essentiel est préservé.